Seront-ils présents? En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Installés à Los Angeles depuis, ils ont enchaîné les révélations plus choquantes les unes que les autres. Celles-ci ne sont pas passées inaperçues et elles ont tendu leur relation avec les Windsor. Toutefois, selon Neil Sean, un expert royal, il semblerait que la reine d'Angleterre pourrait faire un pas vers les Sussex. En juin prochain, elle va célébrer son jubilé de platine. La date a déjà été réservée puisque celui-ci aura lieu entre le 2 et le 5 juin. Pour ses 70 ans de règne, Elisabeth II a vu les choses en grand avec de nombreuses célébrations ainsi qu'un banquet. Le programme a déjà été partiellement dévoilé et il semblerait qu'elle prenne la décision d'inviter Meghan Markle et le prince Harry. L'expert royal Neil Sean cesse de confier dans les colonnes de l'Express ce lundi 3 janvier et il a assuré que les parents d'Archie et Lilibet avaient gardé leur agenda libre pour ces dates. Ainsi, feront-ils le déplacement pour cette occasion particulière? Nul doute que leur présence sera très remarquée et qu'elle fera beaucoup parler. Ils ont été snobés. Le 31 décembre dernier, Elisabeth II s'est adressée aux Britanniques lors du passage à la nouvelle année. Après des fêtes compliquées à cause de l'épidémie de Covid-19, elle a tenu à partager un montage vidéo retraçant les moments marquants de la famille royale. Dans celui-ci, on pouvait voir la reine d'Angleterre avec le prince Charles, le duc et la duchesse de Cornouailles en Égypte, les obsèques du prince Philippe, la rencontre entre Elisabeth II et Joe Biden, le discours du prince William à la 26 pesos colombien, mais également Edward de Kent et Richard de Gloucester. Des moments inoubliables pour elle, mais les internautes ont rapidement remarqué deux absents. Le prince Harry et Meghan Markle. Alors que beaucoup se sont demandé pourquoi la souveraine avait fait le choix de ne pas les mentionner, d'autres ont rappelé qu'ils n'étaient plus des membres actifs de la famille royale. Ainsi, ils n'ont pas leur place dans cette vidéo. Nul doute qu'Elisabeth II ainsi que les Sussex se sont entretenus en privé et qu'ils n'ont pas souhaité en parler publiquement. Pour rappel, un expert avait assuré qu'il aurait une conversation vidéo pour Noël. Meghan Markle et le prince Harry, quel établissement ont-ils choisi pour Archie? Archie, le fils aîné des Sussex, va faire sa rentrée à la crèche. Pour cela, le prince Harry et Meghan Markle ont opté pour un établissement particulier où l'accent est mis sur l'apprentissage de l'alphabétisation émotionnelle et de la gentillesse, a révélé le Daily Mail. Selon le tabloïd, la crèche est éloignée des méthodes d'apprentissage traditionnelles, puisque le petit garçon a l'occasion de se familiariser avec la musique, la danse, le théâtre ou encore le codage, est-il ensuite précisé. Une crèche qui semble convenir à Archie, tout comme à ses parents.